Alors, on va commencer notre soirée, notre élection minimis. Et qui dit concours dit un comité. Et ce soir, dans le comité du jury, je vais vous présenter, mesdames et messieurs, chers publics, les différents membres qui constituent le comité du jury. Alors, nous avons Cynthia. Et à côté de Cynthia, il y a Agathe, aussi qui fait partie du comité du jury. Cynthia et Agathe encadrent Polychrome, qui fait partie également du comité du jury. On applaudit pour les trois. Sur quels critères les filles vont être notées aujourd'hui? Alors, trois critères. Il y a le sourire, la démarche et aussi l'élégance. Voilà les trois critères qui vont démarquer les filles ce soir. Les trois critères qui vont faire à ce que sur les 12 filles qui sont ici, qui convoitent la couronne de la Mini Miss Congo, soit notée. Alors on va, avant notre première sortie des Miss, je vais remettre la parole au chargé de la communication du comité Mini Miss Congo, qui va devoir vous souhaiter la bienvenue. Sous vos applaudissements, Patouche. Chers parents, distingués invités, merci beaucoup d'être là ce soir à la troisième édition de l'élection de la plus belle jeune fille congolaise. De par ma voix, le comité Mini Miss Congo vous remercie d'avoir accordé votre temps pour bien être là en ce jour. Nos premiers remerciements iront vers les parents. Les parents, le comité Mini Miss Congo vous remercie d'avoir cru à notre projet, d'y avoir accordé de la valeur. Ce n'était pas facile. Pendant 3 mois, nous avons travaillé avec vos enfants. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez confié vos enfants. Et cela est de beaucoup. Et aujourd'hui, le comité Mini Miss Congo vous remercie pour cela. À tous ceux qui ont permis en sorte que cette troisième édition de l'élection de la plus belle jeune fille congolaise puisse avoir lieu. Mais avant de citer d'autres personnes, j'aimerais que nous fassions ovation à un monsieur, celui-là qui, depuis la première édition, la deuxième et aujourd'hui la troisième édition, se donne esprit, âme et corps pour que cette élection, pour que ce projet voie le jour. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais que nous applaudissions pour M. Cédric Bach, le président du comité Mini Miss Congo, qui chaque année donne de sa volonté, de son tout, pour que cette élection ait lieu. Voilà, nous sommes à la troisième édition pour élire une reine, une ambassadrice, celle-là qui représentera les enfants dans le Congo, celle-là, oui, qui parlera à la place des enfants. Oui, l'élection Mini Miss Congo n'est pas qu'un défilé, mais des actions. Parce que celle qui sera élue Mini Miss Congo aura une mission comme la toute première Mini Miss et la toute deuxième Mini Miss. Pour cette troisième Mini Miss Congo que nous allons élire ce soir, ou qui sera élue ce soir, elle aura un mandat un peu plus long que celui des autres. Parce que nous voulons décaler la période d'organisation de l'élection Mini Miss Congo. D'où
son mandat sera un peu plus long, avec un objectif bien précis, une mission dont elle aura à se battre et à défendre les enfants au Congo. La mission sera donnée tout à l'heure par M. Cédric Bach, parce qu'il ne nécessite pas, ou bien il ne suffit pas seulement de défiler, d'avoir les enfants qui marchent ou bien qui font des sourires, mais des enfants qui ont un rêve. Et un rêve, on peut le réaliser. D'où nous organisons cette élection pour pouvoir avoir une ambassadrice des enfants au Congo. Je remercierai la Minimis, la Miss Pause Café qui est là. On applaudit très très fort pour elle. Je remercierai aussi cette chaîne-là qui, depuis l'année passée, n'a cessé de nous accompagner. Cette chaîne qui nous projette ces images auprès de tous ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être là aujourd'hui. Maximum d'ovation pour la chaîne interactive NTI, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et demoiselles et messieurs, il est l'heure de lancer cette troisième édition de l'élection de la plus belle jeune fille congolaise. Nous souhaitons tout simplement que vous passiez un très bon et agréable moment en notre compagnie. Je vous remercie. Bien, il a tout dit, mais je vais compléter quelque chose. Un remerciement également à Orca, qui depuis 3 ans nous accompagne. Orca était avec nous lors du début de cette élection Mini Miss Congo. Il avait primé la Miss et ses dauphines. Orca était là encore l'année dernière. En valorisant la Mini Miss 2020, en lui donnant la possibilité de faire la pub de sa marque Orca. Et Orca est aussi ici cette année pour pouvoir encourager les enfants. Qu'elle soit Miss ou non, Orca s'est dit, moi je vais encourager les enfants, je vais donner des cadeaux aux enfants, et ça s'applaudit, et on peut faire des applaudissements pour Orca, s'il vous plaît. Alors, fini les discours, maintenant place au spectacle. Le premier passage, c'est la tenue traditionnelle. On aura 4 passages pour cette élection Mini Miss. Alors, on va commencer avec la tenue traditionnelle. J'espère que tout se passe bien dans les coulisses. Didier, musique, et que le spectacle commence. Thank you.
l'état de nos ancêtres. Nous voulons un lendemain meilleur. Nous voulons grandir ici mais pas ailleurs. Prendre nos papas, nos mamans fiers. D'avoir plus soin des terres de nos ancêtres. Mais pas là, mais pas maintenant moi. Puisqu'il nous cuise à couiller Milan. Rien ne manque, il y a ni la victoire. Mais pas là, mais pas maintenant moi. L'équipe on donne à l'osso. Beta, 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 kazango. Kanga, 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 kaliputa. Simba, 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 kama bele. Tourne, 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 gassi, ligote. Mama, y'a le filet, mama, l'équipe, gédé, mama. Gégé, gédé, gédé. Et ça commence bien. Ça commence très bien. Quand on applaudit, ça veut dire que le public est satisfait. Voilà, c'était là la tenue traditionnelle, la première sortie de nos Miss avec cette chanson traditionnelle où trois jeunes filles sont en train de chanter. C'est le groupe Balaba Congo que je vais devoir vous présenter, qui est constitué de Lise, Maryse et puis Daniela. Lise, où est-ce qu'elle est? Lise, sur le podium, s'il te plaît. Maryse aussi, s'il te plaît, sur le podium. Voilà. Alors, tu viens? Je vous les présente. Viens, ma chérie. Alors, vous avez ici Lise, 11 ans, c'est bien ça? Maryse, 14 ans, et il y a une qui est absente, Daniela, 13 ans, elle constitue le groupe Balaba Congo, et c'est elle qui enchantait sur le morceau dont les filles viennent de faire leur première sortie. Pour la petite histoire, Balaba Congo, ces trois filles sont sorties de l'émission Facile à chanter, Kings. Donc nous avons pu sélectionner trois meilleurs du parcours de Facile à chanter Kills. On a sélectionné ces trois filles qui aujourd'hui forment le groupe Balaba Congo, qui est un groupe dont la mission est d'interpréter des chansons, des vieilles chansons congolaises pour les transmettre à la nouvelle génération. Alors, vous aurez l'occasion de le réécouter ici sur scène parce qu'elles ont d'autres morceaux à vous proposer. On applaudit encore pour elles, s'il vous plaît. Alors, Lise, tu vas rejoindre les coulisses. Mais Maryse, tu vas rester. Maryse va rester parce qu'elle a quelques interprétations à vous offrir. Et la scène est à elle. Je vous la laisse sur le podium. Merci de pouvoir satisfaire le public pendant que les filles de l'autre côté sont en train de se changer pour le deuxième passage. Oh, 20 ans d'études, tu as aimé l'école. Quand tu finis, tu cherches le boulot. Même dans les snacks, dossier rejeté. Le deuxième bureau qui t'a installé. Même dans l'immeuble, tu n'es même pas. Ta place est que là-bas, près du vigilant.
20 ans. Il va mourir, je vais hériter. Te voilà qui taille, taille avant lui. Ne tantinard, tu es dans des temps. Tu veux épargner, c'est à ton tour de bouffer. Caissière est chercher. Nous voilà qualifiés en Coupe du Monde. De Choupo-Moting Bim. Et Léo a coupé. Eh-a, eh-a, eh-a. Oh yo, à chacun sa chance. Oh yo, la vie c'est la chance. Oh yo, à chacun sa chance. Maryse, merci, tu peux rejoindre les coulisses. Merci pour la belle ambiance que tu as mis ici à l'explanade du musée Cercle Africain. Alors, nous allons continuer notre spectacle. Les filles derrière dans les coulisses sont prêtes. C'est le deuxième passage, tenue olympique, t-shirt et collant. Crazy it could be, baby, baby, it's time. Take it easy. When you leave, I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even when die, oh, myself. My only desire, I could take it and injure you. It's a madness in tears, 'cause you make me fire. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. Thank you.
attention. Cause you got my affection, baby, baby, and so good temptation. Took you now step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. Cause I can't take it.
Je veux vous entendre applaudir pour ces enfants. C'est pas facile de se présenter à vous, c'est pas facile de pouvoir déhancher sur un podium. Il leur a fallu 2 mois de préparation pour pouvoir vous donner ce passage. 2 mois de préparation, tous les samedis, tous les dimanches, entre 14h et 17h, ces enfants ne faisaient que préparer ces sorties. Et je vous demande de les applaudir encore. Alors, elles vont se préparer pour leur 3e passage et on va leur laisser le temps. On va appeler Lise, la copine de Maryse, pour 2 interprétations. Sous vos applaudissements, Lise. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort. Passez.
le prix de la liberté. Et on va continuer avec notre troisième passage. Alors, ce passage,
va donner au jury la possibilité de pouvoir qualifier 5 d'entre elles pour la finale. Donc, après ce passage, le jury devrait décider sur 7 prénoms qui vont malheureusement arrêter le défilé maintenant. Alors, sous vos applaudissements, voici les filles pour leur 3e passage. You must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate. Quand j'étais bad, pour une soirée 9 ans like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind, no yeah. What they want telling me, could they not my fantasy? Candidate numéro 2, Dominique, 9 ans, match de SEM 2. Candidate numéro 3, Rose, 9 ans, et elle en classe de SEM 1. Candidate numéro 4, Messia, 10 ans et elle en classe de SEM 2. Candidate numéro 6. Candidate numéro 5, Vernel, 9 ans et elle en classe de SEM 2. Diana, 9 ans, et en classe de CE2. Candidate numéro 8, Win, 8 ans, et en classe de CE2. C'est la candidate numéro 8, cher jury. Candidate numéro 9, Annie Flore, 10 ans. Et elle en classe de SEM 2. Everybody
you must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate. Candidat numéro 11. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Standing on my grind, no one hear what they want. Telling me, could it not my fantasy? Candidat numéro 10. Candidat numéro 12, Raïssa, 11 ans et elle en classe de 5e. Troisième passage de ces candidates à la troisième élection de Minimis. Le jury va se décider sur 7 numéros qui vont devoir s'arrêter là et 5 vont aller pour la finale maintenant, tout juste après. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Home and I'm on my own.
On n'a plus des forces dans nos mains ou comment? Et bien voilà, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas donné à n'importe qui. Je peux même pas faire une roulade là. Sérieux. Alors, moi, j'appelle sur scène les 12 candidates à l'élection Mini Miss Congo. Les filles, merci de me rejoindre sur le podium. Les 12 filles, s'il vous plaît, sur le podium. Les 12 filles sur le podium, sur un coussin musical, cher Didier. La scène est à vous. Elles sont 12. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Elles sont jeunes. Elles n'ont jamais. Et il a fallu beaucoup de courage pour pouvoir le faire. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, un maximum d'encouragement pour toutes ces filles. Et un maximum d'applaudissements pour vous-même, les parents. Oui, ça, je le demande. Un maximum d'applaudissements pour vous-même, les parents. Parce que vous avez été attentives à notre message et que vous avez laissé à ces enfants la possibilité de pouvoir le faire. C'est pas donné à n'importe quel parent. Ça fait plus de 14 ans que je suis dans la culture et je pèse mes mots. C'est pas donné à n'importe quel parent de pouvoir laisser ses enfants pouvoir le faire. Et voilà pourquoi moi, je demande à ce que l'on applaudisse pour vous. Alors, j'ai ici avec moi 5 numéros. 5 numéros de celles qui vont vivre l'aventure. La première personne ou le premier numéro à pouvoir décrocher sa place pour la finale est le numéro 1. La deuxième à pouvoir décrocher sa place pour la suite est le numéro 6. La troisième candidate à avoir son ticket pour la finale est le numéro 5. La quatrième candidate à décrocher son billet pour la finale
de l'élection minimis Congo 2022 et le numéro 3. Il nous reste un numéro, une candidate. La cinquième candidate à avoir son passeport pour la finale est le numéro 2. Voici les 5 finalistes et les filles. Vous pouvez rejoindre les coulisses, vous vous préparez pour la cinquième, pour le quatrième passage. Et les autres, vous allez avancer, s'il vous plaît. Avancez, les filles. Et je vais appeler Patouche et avancez avec les cadeaux, s'il vous plaît. Oui, on applaudit pour elle. On applaudit très très fort pour elle. Ils ont voulu nous accompagner. Kobel a pensé à nos candidates. Kobel a pensé à nos candidates et a voulu primer ses enfants. En leur offrant comme ça un sac, des cahiers. À l'intérieur, on peut retrouver une casquette, des cahiers, un maillot. Voilà. C'est un cadeau offert par Kobel. Et c'est pas fini. Il y a Orcar, je le disais, qui nous accompagne depuis 3 ans, qui a voulu également faire quelque chose pour ses filles en leur offrant des puzzles. Voilà. Courage les filles. C'est ainsi le déroulement de cette élection. Malheureusement, on ne peut pas emmener tout le monde au final. Et c'est sous vos applaudissements qu'elles vont rejoindre les coulisses, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Ça fait mal, c'est vrai. On aurait bien voulu toutes les garder, c'est vrai. Mais malheureusement, un concours, un gagnant, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Pendant qu'elles vont s'apprêter pour, les finalistes vont s'apprêter pour le passage qui va déterminer la Miss, la première dauphine et la deuxième dauphine, je vais vous laisser en compagnie des Balba Congo. Souvenez-vous, ce groupe que j'ai présenté au début de notre soirée. Les Balba Congo sur scène. Yeah.
Alors, je pense que c'est près de l'autre côté pour le dernier passage. Le dernier passage où tout va se jouer uniquement par des détails. Hein. Des détails. Je rappelle que le jury est en train de noter sur le sourire, la démarche et aussi l'élégance. Alors, tout est prêt. On y va pour notre quatrième et dernier passage. Les autres, tu as du mal à épouser mon mindset. Mon radical boy, tu as emporté mon cœur par le rire. Aujourd'hui, je viens à ta vie, tu mets plus beaux habits. Yes, tu peux parler de mon aide. Jenny, tu es un ange mandatin, yeah. Bonsoir, cher public. Bonsoir, les membres du jury. Je m'appelle Mabika Verdic Soraya. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Je fréquente au complexe scolaire 3e millénaire. J'habite en Pita. Merci. Du jury, distingués invités, on vous rend des grades. Bonsoir. Je m'appelle Mbemba Dominique, j'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1 à l'école privée Le Céleste. Je réside au quartier Tister. Je vous remercie. Aujourd'hui je viens à ta vie, tu mets plus beaux habits. Yes, tu peux parler de mon aide. Jenny, tu es un ange mandatin, yeah. Yeah, oh, oh, oh. Jenny. Cher public, cher membre du jury, bonsoir. Je m'appelle Becca Coros Christy Erdelia. J'ai 9 ans. Je suis en classe de CM1. Je fréquente au complexe scolaire Évolution. J'habite au quartier Faubourg. Je vous remercie. Aujourd'hui, je viens à ta vie, tu mets plus beaux habits. Yes, tu peux parler de mon aide. Jenny, tu es un ange mandat. Bonjour cher public, je m'appelle Ngoka Ogi Vernaël Dayana, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1, je fréquente au complexe scolaire Fernand Nathan, j'habite au quartier Socave, je vous remercie. Bonsoir, cher public et jury. Je m'appelle Ebukewa Princesse Adriana. J'ai 9 ans. Je fais cote à l'école Guibou. Je fais CM1 et je suis au quartier OCH. Merci. Attention.
ça c'est charisme que personne peut nier. Fais de moi ton père sans ton marche à pied. Que nul ne peut te piller. Et voilà le travail. Voilà le travail. Le travail de la coach. Le travail du comité Minimis. Alors, on va laisser le comité se décider sur celle qui portera la troisième couronne de l'élection Minimis. Oui, permettez, je veux vous voler quand même 2-3 minutes quand même. Esther Mongala, absente aujourd'hui. Elle est la première mini-miss Congo. Comme toutes les miss, elle a eu une mission. Esther, la première miss, a eu comme mission de pouvoir dénoncer les faits de la pédophilie. Les filles sont victimes de cela. Ces enfants sont victimes et personne n'ose en parler. Et c'est aussi ça la raison d'être de cette élection. La miss plaide pour les enfants. C'est une ambassadrice qui parle tout haut les problèmes des enfants. La deuxième, Sabrina, tu peux y approcher s'il te plaît. Voilà. La deuxième, je vais la laisser vous dire, c'était quoi ta mission? Je suis passée par école pour prendre des cahiers, des livres, des stylos pour donner aux orphelins pour aller à l'école cette année ou l'année prochaine. Voilà, elle a eu à récolter des dons, en 2-3 mots, je réexplique. Elle a eu à récolter des dons pour pouvoir aider des parents défavorisés afin d'envoyer leurs enfants à l'école au cours de l'année 2022-2023. Et merci d'applaudir pour elle. Celle qui sera élue Miss ici, ce soir, aura une mission également. Et cela sera révélé bien après. Alors, on va maintenant remettre la scène à nos jeunes danseuses, celles qui ont ouvert la partie. Alors, c'est le groupe ISN de l'Institut Saint-Nicolas. Encore des enfants sur scène, cette fois-ci sur la danse. Je vous demande de les applaudir. Sera la troisième mini Miss Congo qui va succéder à Sabrina. Nous avons les résultats. Didier, merci pour le son. Et
Le coach, faites rentrer les filles, s'il vous plaît. Merci Didier. Alors, et maintenant, je sais que la pression monte. Vous avez raison, c'est naturel. Elles sont cinq. Mais on est bien d'accord, les cinq ne peuvent pas porter la couronne. On est bien d'accord, les cinq ont bien défilé. On est bien d'accord, elles ont toutes un joli sourire. Ça a été difficile de pouvoir les départager. Alors, cinq candidates, une Miss, une première dauphine et une deuxième dauphine. Je vais faire appel à Roselle, Muriel et aussi Sabrina sur le podium, s'il vous plaît. Roselle, Muriel et Sabrina sur le podium, s'il vous plaît. Et moi, je vais dire le nom directement de la deuxième dauphine. Alors, de ces cinq filles, on a le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 6. De ces cinq filles, la deuxième dauphine, de Mini Miss Congo, troisième édition, qui est faite en 2022, n'est autre que le numéro 3. Rose, deuxième dauphine. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Et c'est Muriel qui va la donner son écharpe. Deuxième dauphine, Rose, numéro 3. Elle a 9 ans. La première dauphine de cette troisième édition, Mini Miss Congo, n'est autre que le numéro 2. Le numéro 2, Dominique. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que la deuxième dauphine, la première dauphine, excusez-moi. La première dauphine. Dominique. Première dauphine. Et avant de donner le nom de la Miss, un grand merci à une dame qui a sponsorisé l'achat et la confection de ses tenues, Maman Sophie, on l'appelle Maman Sophie de Castal Haust. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. On n'a presque pas eu d'aide, mais cette dame a dit, moi je vais apporter ma contribution
à cette troisième élection de Mini Miss Congo, elle a financé l'achat et la confection de ses tenues. Et on a bien besoin de ce soutien pour que nous puissions vivre. Alors, la Miss, Mini Miss Congo, 2022, troisième édition, n'est autre que une fille parmi ces trois candidates. La Mini Miss Congo 2022 n'est autre que celle qui aura un long mandat. Bon, ok. La Mini Miss Congo 2022 n'est autre que le numéro 1. Et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Le numéro 1. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Le numéro 1. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village Soraya est devenu kérosène. Yeah. Et la Miss Congo est une bénédiction. 2022. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Merci, 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 cher public, merci, cher parent. Merci de faire. Merci de nous laisser le temps de pouvoir continuer. S'il vous plaît, on va clôturer, s'il vous plaît. Le gouverneur Charles Aruna, Christian Obou Didier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Alors, ma vie est une bénédiction. Sabrina, Kiki Benzani, ta vie a changé. La Miss Congo 2000. Aujourd'hui, tu as triomphé. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Elle va mettre la couronne de celle qui la succède. Sabrina, c'est à toi. Vie vois-tu Kenzo Cash Money. Voici avant la bobo est devenu grand joueur. Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même foi tu peux effacer tes souffrances. Samia Leto, avant de New Bell, est devenu grand patron. Voilà, elle est là, la Mini Miss 2021. Soraya, cette même fois, tu peux effacer tes souffrances. Elle n'a pas de mérité, mesdames et messieurs. On applaudit pour toutes les cinq filles, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, j'ai triomphé. On sent tout bien. Tu joues la merveille. Aujourd'hui, tu as triomphé. Sagae, Sagae, Saga Pichichie. Pratoni la main fantomo Alex Gassien Touma Saïdo Abel, apportez à tous les enfants Sultan Moscou, président docteur Abdoulaye Meïté. Un kit scolaire Azerbaïdjan le mystérieux Loulou Kacharel. C'est la victoire. Orca, toujours Orca. Et que tu as perdu la formule qui a fait de toi un Hercule. Lorsque tu recules, le cœur dans la canicule, de l'aube jusqu'au crépuscule. Quand tu n'es plus qu'une molécule, une simple partie.
Kobel a pensé aux 7 dernières. Kobel pense aux finalistes. Et maintenant, on va primer la Miss et ses dauphines. Alors, Patrick, au nom du comité du jury, au nom du comité de Mini Miss, on va commencer par la deuxième dauphine. Voilà, Orca offre un chèque cadeau. Un chèque cadeau. Un chèque cadeau à la deuxième dauphine. Un chèque cadeau de... Orca offre un chèque cadeau à la deuxième dauphine à une hauteur de 30 000 francs. Vous pouvez aller chez Orca, prendre tout ce que vous voulez à hauteur de 30 000 francs. C'est pour la deuxième dauphine. Toujours Orca. Orca offre à la première dauphine un chèque cadeau de 50 000 francs CFA. Dès demain, vous pouvez aller à Orca prendre tout ce que vous voulez, mais à hauteur de 50 000 francs CFA. Toujours Orca. Orca offre à la Mini Miss Congo un chèque cadeau de 75 000 francs CFA. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, la troisième élection de Mini Miss Congo, où nous avons Soraya la Miss, suivi de sa première dauphine, Dominique, et la deuxième dauphine, Rose. Rendez-vous, mesdames et messieurs, en 2024. Je dis bien en 2024 si Dieu nous prête la vie. Et ça sera une édition nationale, car nous comptons pour la 4e édition réunir les autres départements de la République du Congo. Merci à vous d'avoir fait le déplacement jusqu'ici pour ce spectacle. Bon retour à vous et félicitations aux filles. Les photographes, faites votre travail. I don't care.